No os olvidéis ni todo el resto de la vida como que queda. Bonjour, bienvenue à cette master. Exceptionnelle, exceptionnelle Exceptionnel parce que nous avons le plaisir et la fierté d'avoir avec nous Naomi Kawase qui nous a offert un très beau vernissage hier avec une performance calligraphique de son installation que j'espère que vous avez tous vu. Son installation, elle nous a calligraphié hier le titre de l'installation printemps, été, automne, hiver. C'était magique. Et euh, nous avions l'impression euh, d'être à euh, NARA. Cette, euh, cette masterclass est exceptionnelle parce qu'elle va être modérée par le directeur euh, du cinéma d'Arte. Et euh, on ne peut que se féliciter euh, d'avoir une chaîne de télévision euh, qui euh, coproduise d'aussi beaux films et qui suive les cinéastes euh, du monde entier donc euh, merci à olivier père de nous offrir euh, euh, sur arte euh, de si beaux films. ce sera une masterclass exceptionnelle aussi parce qu'elle euh, sera en deux parties. la deuxième partie, euh, naomi kawase est productrice et euh, on a aujourd'hui la chance d'avoir deux cinéastes. le mexicain euh, pedro gonzález rubio qui certains d'entre vous ont pu voir son film dans la salle d'à côté tout à l'heure et la cinéaste iranienne Aïda panahandé Donc je vous remercie d'accueillir chaleureusement Naomi Kawase qui sera traduite par Anna et Anna Deveau et Olivier Père. Naomi Kawase. Bonjour à tous. Merci Sylvie pour cette présentation. Donc, on aura l'occasion, on a la chance de pouvoir dialoguer avec Naomi Kawase sur, sur son travail, sur ses méthodes, sur sa, sur sa vie, tout ça étant intimement lié. Et puis, la, la dernière partie de cette rencontre sera consacrée mais plus précisément au festival de, de Nara qu'elle a, qu a créé en 2010, je crois, et, et plus précisément à l'initiative narrative qui permet à des réalisateurs de, de, de faire des films dans le cadre du festival de Nara. C'est une initiative de, de Naomi. Euh, alors, je pense que c'est difficile de de ne pas commencer et ne pas terminer quand on, quand on parle de, du travail de Naomi Kawase, de, de son cinéma, de, de Nara. Euh, puisque Nara, c'est son lieu de naissance, c'est la, la préfecture de Nara, c'est une région importante qui est dans son, dans son cinéma. Et c'est peut-être par là qu'on va commencer aussi, on en, on en parlera à la fin. mais Nara, c'est à la fois pour Naomi Kawase le, le berceau de son enfance, c'est le, le berceau de son, son cinéma, et c'est aussi le berceau du Japon d'une certaine manière, puisque c'est la première capitale fixe du pays, donc berceau du Japon moderne. Et, et donc c'est un lieu magnifique qui représente beaucoup pour, pour elle. Est-ce qu'elle pourrait, pour commencer, revenir sur, son, sur sa relation à, à Nara et... 何かの縁があって本当にそこに生まれ落ちてそして現在まで暮らしています、えー、数年ぐらいは、えー、東京で暮らしたこともあるんですけれども、えー、たちまち奈良が恋しくなってまだ奈良に戻ってきました、えー、そこで映画と出会うのはとても困難で、えー、実は奈良県奈良市にはもう今映画館がないんですね で当時、私が、えー、10代の頃ももうほとんど、えー、映画館と呼ばれるようなものが、えー、姿を消してしまっていてじゃあ、どうして映画と私が出会うのかというと、えー、私はこの世に生まれてきてそして何かをこの世界に残したいという思いがすごく強い子供時代を過ごしました。えー、なので のその自分の人生を何に捧げるのかというふうに考えた時にいろんな選択があったんですけれどもあの最初は実は建築家になりたいと思って、えー、建物とかなんかそういうものは私がいなくなっても残り続けるんじゃないかっていうすごい漠然とした、えー、そんな感覚だったんですけれども,も次にあなぜ建築その建築 に行かなかったかっていうと絵が下手くそだったんで行けなかったんですけどあのその次にあ美術学校に行けなかったんですけどその次に映画だと長いですね映画だと <laughs> えっとなんかこうカメラという目を通して自分自身を刻む刻んでそれを残すことができるのかなということでまず最初にカメラに出会ったのが映画との出会いそして、まあ、奈良というところで。 暮らしているのにそれと出会うというのは奇跡のようなそういう出会いだったのでなぜ奈良なのかなぜ映画なのかと言われても私にはその奇跡が何かどっかからこうコントロールされているような私にピッとこう何かが当たってコントロールされているようなそんな気になっているので説明できません。 Alors, en effet, je suis née à Nara, je ne sais pour quelle raison. Euh, J'y vis encore d'ailleurs. Euh, il m'est arrivé de vivre quelques années à Tokyo, mais très rapidement, ma ville natale m'a manqué, donc je suis retournée à Nara. Euh, pour ce qui est de ma rencontre avec le cinéma, en fait, il est très difficile d'avoir accès au cinéma dans la ville de Nara, euh, car aujourd'hui, il n'y a plus aucune salle de cinéma dans cette ville. Et d'ailleurs, quand j'étais euh, encore jeune, dans ma vingtaine, il n'y avait presque plus aucune salle non plus de cinéma. Alors comment est-ce que j'ai pu rencontrer dans un tel contexte le cinéma Eh bien, j'ai passé une enfance euh, dans laquelle j'avais ce souhait, euh, ce souhait très fort de vouloir laisser quelque chose derrière moi euh, dans ma vie. Euh, alors, quand je me suis demandé ce que je pouvais faire pour cela, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Et tout d'abord, j'ai souhaité devenir architecte. Je me suis dit que les bâtiments, après tout, restaient bien dans ce monde, même après la mort de l'architecte. Euh, seulement, je n'ai pas pu réaliser ce rêve parce que je dessine très très mal, et donc je n'ai pas pu intégrer les écoles euh, d'architectes. Ensuite, j'ai pensé au cinéma, euh, parce que je me suis dit également que les films, c'était quelque chose qui restait dans ce monde, même après la mort des réalisateurs. Et je me suis dit qu'à travers une caméra, je pouvais vraiment marquer le monde de ma présence. Euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai rencontré le cinéma, Donc, tout d'abord à travers l'objet qu'est la caméra. Finalement, si j'ai rencontré le cinéma à Nara, euh, tout ça est issu d'un miracle. Euh, pourquoi Nara pourquoi le cinéma Je ne sais pas. Je pense que c'est un miracle qui a été voulu par quelque chose, par quelqu'un. Et c'est ça euh, qui a fait que j'ai rencontré euh, le cinéma dans cette ville que Nara. Et donc, j'aurais beaucoup de mal à vous expliquer les raisons précises. Pour moi, c'est juste un miracle. C'est un, un miracle, je pense, que vous avez euh, provoqué. Euh, parce qu'il euh, y, euh, y a eu d'abord, effectivement, le, le, le désir de, de faire du cinéma. Si je crois que vous avez euh, fait d'abord. Euh, vous êtes vos années d'apprentissage ont été effectuées à l'école de photographie d'Osaka. C'est là que vous avez réalisé vos premiers longs métrages, enfin courts métrages, pardon, en tant qu'étudiante. Mais quand, quand vous dites que vous avez voulu faire du cinéma pour, pour laisser quelque chose, pour laisser une trace, euh, moi j'ai aussi le sentiment, quand on voit les sujets de vos films, que ça a été un travail très introspectif. Euh, il y a des, des jeunes gens qui veulent faire du cinéma parce qu'ils adorent euh, certains réalisateurs, ils adorent certains films, ils sont très influencés par, par d'autres metteurs en scène ou alors parce qu'ils ont euh, des projets, des, des, des histoires à, à raconter, il y a une volonté, quelque chose qui est de l'ordre du, du, du conte. Euh, vous, vous avez quand même fait un, un travail, euh, je dirais, intime, très, très puissant. Pour, euh, non, pas seulement pour, pour laisser quelque chose, mais pour savoir d'où vous veniez. Euh, il faut quand même pas voilà, oublier que, que la source de votre travail, l'origine de votre travail, c'est sur vos origines mêmes, euh, vos origines biologiques, je, je dirais. C'est Ça, c'est très, 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 très important et on aura d'ailleurs l'occasion de, de découvrir ces, ou de revoir, mais ce sont des films assez euh, difficiles à, à, à voir. Donc, c'est bien que le Centre Pompidou montre toute votre œuvre, y compris ces œuvres de jeunesse. Donc, pour, pour résumer, moi je, quand j'ai découvert le, avant vos premiers longs métrages, là je dirais la, 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 la genèse de votre, de votre travail, euh, on peut dire que ça s'est vraiment construit euh, autour à la fois d'une absence et d'une présence. Une absence très forte et une présence très forte aussi. Euh, L'absence, c'est celle de votre père biologique et il y a une partie de votre œuvre euh, qui est sur la recherche de ce, de ce père que vous mettez en scène euh, et une présence qui est elle aussi très forte, c'est celle de, de Uno, hein, votre grande tante maternelle, mais que vous appelez votre grand-mère et qui est la, la, la vieille dame qui vous, a, qui vous a élevé et qui a été, comme vous le dites, votre, votre seule famille. Donc, euh, c'est vrai que ces deux personnes, une présente et une absente, qui sont vraiment au cœur de vos premiers travaux, euh, qui sont des travaux documentaires, mais qui sont déjà très proche de la fiction, en tout cas avec des éléments assez expérimentaux. Est-ce que vous pouvez revenir comme ça sur, sur l'origine de ce travail qui continue d'ailleurs aujourd'hui encore et dans vos films plus récents d'irriguer euh, réellement euh, votre œuvre 自分自身というものを見つめ続けるっていうことは作家にとってとっても大切なことですけれども時にやはり人その誰かと比べる特に若い時代っていうのはお友達だったりとか周りの,その、うん、人々なんか情報そのようなものと自分自身を比べた時に何かこう自分の中に その存在していないものそれは家族というものがすごく大きかったんですけれども私は両親を知らなくてそして高齢の子供のいない老夫婦に養女にもらわれているのでそこにその親という存在がないそしてその血のつながりというものがこう自分の家の中にないというような状況がまあその日本ではすごくやっぱり珍しいというか、う。ん でそこでその私は一体なぜ生まれてきたのか誰からやってきたのかとかあの私は何を、うん、今すればいいのかっていうようなことを本当に若い時代から考え続けていたんですね。でそれをあの理解するというか自分で発見していくということの間にカメラがあったというのか映画があったっていうふうに今 うん, Alors en effet, je pense qu'il y a d'un euh, côté l'absence et d'un côté la présence qui sont les moteurs de mes œuvres. Je pense qu'il est très important pour un auteur de savoir se regarder, de savoir se contempler. Et en même temps, nous humains, nous avons l'habitude de nous comparer toujours avec notre entourage avec nos amis lorsque nous sommes plus jeunes et moi-même en me comparant avec les autres je réalisais qu'il me manquait quelque chose et c'était la famille les parents je n'avais pas de parents alors j'avais été certes adoptée par un vieux couple qui n'avait jamais eu d'enfants mais je m'étais dit que par rapport à mes amis il me manquait voilà cette présence ce lien biologique au sein de ma famille. Et c'est quelque chose de finalement assez rare comme situation au Japon, le fait de ne pas avoir de parents et d'être adopté par ces personnes-là avec qui on ne partage pas de lien biologique. Alors, depuis mon enfance, je me posais ces questions-là. Je me demandais pourquoi j'étais vivante, pourquoi j'étais née, qu'est-ce que je devais faire. Et je pense que c'est pour répondre à toutes ces questions-là, pour découvrir la réponse à ces questions, que j'ai pris la caméra et que j'ai commencé à faire des films. いいるかから余計に感じていたのかもしれないなと奈良っていうのは本当に1,000年以上前の,あの建物や気配がそこに残っている土地にそういう記憶の本当にある場所であのそういう場所をこう頭でその情報として分かっているのではなくなんかこう 感覚的にそういういものを感じるる瞬間があるんですねそこにいるとなぜ私はこの時代に生まれ落ちて何をなすべきなのかみたいなそんな感覚になるんです例えば本当にあの夕日があの沈んでいく瞬間とかそういう、うん、でもそこにかつての都の跡があったっていうことだったりとか奈良という感覚が私に Je pense que peut-être que tout ce que je viens de vous dire, ça a été accentué par le fait que je sois née à Nara et que j'y ai grandi. Parce que Nara, c'est donc une très ancienne ville au Japon. Nous y trouvons des bâtiments qui ont plus de 1000 ans. Il y a un esprit très ancien de plus de 1000 ans qui se trouve toujours à Nara aujourd'hui. Il ne s'agit pas de se dire tout ça euh, de manière intellectuelle, il s'agit de le ressentir. En fait, il y avait des instants dans ma vie, en étant un Ara, où j'avais l'impression... De vivre la même chose que ce que les gens il y a mille ans vivaient dans cette ville. Par exemple, lorsque je regardais un soleil se coucher, je pensais à toutes les personnes qui avaient pu voir ce même soleil se coucher il y a mille ans dans cette capitale. Donc, c'est tout ça qui peut-être m'a poussé à me demander également qui j'étais, pourquoi est-ce que j'étais né dans cette époque particulière, et donc finalement c'est une succession de sensations qui peut-être sont propres à Nara qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. On aura sûrement l'occasion de reparler de, de Nara, de votre rapport à Nara et de votre rapport euh, spirituel à, à Nara, euh, ne serait-ce qu'en en, en parlant des, des, des extraits comme ça qui vont être projetés euh, au, au cours de cette masterclass. Mais je voudrais revenir sur, sur quelque chose. Vous avez dit que, que c'est assez rare d'être dans votre cas, voilà, par rapport à.. à, à à votre famille, en tout cas, cette, cette, famille, cette recherche de famille. Mais il y a quelque chose qui est, qui est, qui est rare aussi en ce qui vous concerne, c'est que vous êtes une femme, euh, vous êtes japonaise et vous êtes réalisatrice. Et euh, moi, je n'en connais pas beaucoup, je dois l'avouer. Euh, il y en a sûrement quelques-unes qui, qui font des, des documentaires ou dans, dans, un, dans un certain type de, de cinéma, mais c'est vrai qu'il y a peu de femmes japonaises réalisatrices, beaucoup moins qu'en qu France, beaucoup moins qu'en qu d'autres pays. Je voulais savoir quel, comment ça s'est passé pour vous d'entreprendre de, un, un cinéma aussi introspectif, qui est une démarche solitaire. Euh, très, très intime. Néanmoins, même quand on fait ses euh, premiers films euh, introspectifs, euh, on a besoin de, de soutien, on a besoin d'appui, on a besoin de, de gens avec vous pour, pour les faire. Alors, j'imagine que les premiers films se sont faits dans un cadre euh, d'une école, donc euh, que vous avez été en, encadré, soutenu par des, par des professeurs. Mais est-ce qu'on peut revenir comme ça sur vos premiers pas en tant que, que femme cinéaste Comment votre démarche a été perçue euh, Quels sont les alliés que vous avez pu trouver mais quelles sont aussi les résistances que vous avez sans doute dû rencontrer aussi euh, par rapport à l'originalité de votre cinéma euh, et au fait que du fait que vous soyez une, une jeune femme qui veut faire des films dans le Japon euh, euh, des années 80-90. Oui, nara 業界ののの人たちとの出会いいいうのはほとんどないですですからそういうものを求めようとすれば東京大阪少なくともその都会と言われる場所に行かなければないで、えー、そういうことをしようと思えばお金が必要であるでそういうものをあのするために若いその時代っていうのはまだしも、えー、例えば、うん、そうですね20代30歳が見えてくる頃になると。 日本では特にかもしれませんでも結婚をしなさいとか子供を見なさいとかっていうような特に田舎はそのようなプレッシャーがやってきますでもそのようなプレッシャーの中でも自分のやりたいことをこう押し通すというかその強さわがままさうんわがままと言われながらそれをやり続けることっていうのはやはり孤独であるということと、うん、そして 精神力というのかあの何を言われても自分の意思を曲げないというそういう意思の力そういうものがないとあの難しい。で業界はあのそれでも頑張って劇映画をあの撮ろうとした時にはやっぱり業界はほとんどが男性社会なのでそこで若くて女性というのはあの特にこうあの風当たりが強いというのか <laughs> あの。 言われる言葉の節々にすごく角が立つようなことがあったりとかするのは確かですでもそこはもう,あのうーん聞かないふりをするというのかあのス,ルスルーしながらあの逆にあの女性であることをあのいいことだと思うようにしていました。というのも同世代で若い監督が映画を撮ってもあの。 男性性ののの方方がが多いのでで女目目立立つつんですねで作ってしまえば目立つだから例えばメディアでも一番最初に取り上げてもらうとかなんかそういうことをいい方を向いてあのやり続けてきたというのはありますね。でやっぱりそういう意味ではあの日本の,あの業界ということではなくやはり最初に海外で認めていただいたっていうのが私にとってはラッキーだった。 Alors, j'aimerais partir du principe que nous rencontrons tous des difficultés qui nous sont propres. Donc, évidemment, je vais parler de mon cas personnel. C'est vrai que lorsqu'on habite à Nara, nous n'avons pas vraiment l'occasion de rencontrer des gens de l'industrie du cinéma. Pour ce faire, nous devons aller dans des villes comme Tokyo ou Osaka. Et pour cela, évidemment, il faut de l'argent. Et surtout au Japon, alors je pense que c'est le cas surtout au Japon en tout cas, lorsque nous sommes jeunes, lorsque nous avons la vingtaine, lorsque nous approchons la trentaine, nous ressentons une certaine pression sur le fait qu'il faut qu'on se marie, sur le fait qu'il faut qu'on ait des enfants. Et cette pression-là, elle est particulièrement forte dans la campagne. Donc, euh, évidemment, dans ce contexte-là, euh, il faut avoir euh, une certaine force de caractère. Il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Il faut savoir insister euh, et ne pas avoir peur de se faire traiter d'égoïste euh, pour pouvoir poursuivre ce qu'on a envie de faire. Donc, évidemment, il m'est arrivé de ressentir de la solitude dans tout cela, euh, mais je pense que j'avais une certaine force mentale qui m'était nécessaire euh, pour pouvoir euh, donc persister, pour pouvoir insister euh, à continuer euh, sur ce chemin-là. Et euh, il est vrai que dans l'industrie du cinéma au Japon, euh, il n'y a quasiment que des hommes. Euh, donc lorsque, euh, en étant une jeune femme, j'ai commencé à vouloir tourner euh, des fictions, euh, j'ai ressenti une certaine opposition de la part de l'industrie. J'ai même entendu parfois des mots assez durs. Cela dit, j'ai décidé de ne pas les écouter, ces mots-là, et j'ai essayé de voir le bon côté des choses. Euh, j'ai essayé d'estimer de qu'en fait, j'avais de la chance d'être une femme, qu'il y avait également des aspects positifs à cela. Par exemple, nous étions assez nombreux de ma génération à vouloir faire du cinéma, mais comme évidemment j'étais une des rares femmes, une fois que le film était fait, forcément j'attirais plus l'intention des médias du fait que j'étais une femme. Donc j'ai vraiment essayé de me concentrer sur ces aspects-là, sur l'aspect positif euh, d'être une jeune femme réalisatrice. Euh, je pense que donc euh, j'ai aussi eu de la chance euh, d'avoir été repérée par l'industrie du cinéma à l'étranger euh, parce que c'est parce que le cinéma étranger a repéré mes films que ensuite, euh, grâce à cela, j'ai pu ensuite être donc euh, présentée de nouveau au public japonais. Donc ça aussi, je pense que ça a été une chance qui m'a été offerte. No, et c'est juste une petite anecdote, mais en fait j'étais très pauvre, je n'avais vraiment pas d'argent. Et il y avait une émission de télé au Japon où les gens venaient se, se vanter de, de leur vie très pauvre. Et j'ai même euh, déposé une candidature pour participer à cette émission-là. Votre, votre œuvre se, se partage entre, entre fiction et, et documentaire, des, des films courts et des films longs, euh, différents supports, différents formats, avec euh, pourtant une, une très grande cohérence. Ça, ça nous amène à, à parler de, de la distinction qu'on fait habituellement entre euh, documentaire et, et, et fiction, mais je trouve que dans votre cas, cette... Cette différence est, est totalement vaine puisque vous appréhendez la, la mise en scène, il me semble, d'une manière très, très proche. Vous ne faites pas vraiment de, de distinction entre, entre fiction et, et documentaire. Donc, euh, euh, avant votre premier long métrage, euh, sous à euh, vos films étaient plutôt des, des, des courts métrages documentaires. Vous êtes euh, ensuite passé à la, à, la, à la fiction. Mais... Euh, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu comment s'est fait ce passage du, du documentaire à la, à la fiction, comment est, est né euh, Suzaku et, et comment vous avez appréhendé cette euh, première expérience où euh, voilà, vous. Vous vous détachiez d'une approche purement autobiographique mais, mais vous continuez à, à aborder le, le, le cinéma et avec des, des lieux, des, des personnages qui étaient, qui étaient toujours très très proches de, des, des racines de votre, de votre cinéma. そうですねあの萌の巣作を作る前にはあのおっしゃるようにプライベートなドキュメンタリーを作っていてそのプライベートなドキュメンタリーの中でも私の養母を撮った「カタツモリ」という作品、えー、その作品を制作している最中に自分の中にあるその主観でその自分の眼差しで、えー、おばあちゃんと呼んでいるその養母を撮っている自分とそれから ほんの数秒かもう数秒もないぐらいの感覚で、えー、同時に存在する客観的な自分を発見したんですねというのはあのこういうふうにこう撮っている自分を見ている自分がいるっていう感覚ですでそういう感覚を得たときにあ私はやっとフィクション劇映画を撮れるようになったのかもしれないっていうふうに思いました それで萌衣の巣作の脚本を、えー、書き始めるんですけれどもあのそのフィクションであろうともやはりこうそこまで培ってきたそのリアリティというかあの実際にある物事に対してカメラを向けていく時のリアリティを劇画の中でもあの取り込む、うん、その方が私にとって作るということ。 ドキュメンタリーなんですけど私の眼差しとその客観性を持って作ることそれが私にとっては、えー、意味のあることだった、うん、そんなふうにしても「もイのス・ック」は出来上がりました。 Alors, en effet, avant de tourner ce premier long métrage, Shuzaku, j'avais euh, fait pas mal de documentaires qui parlaient de moi-même, donc une, la recherche de mes racines, etc. J'avais en particulier mis en scène beaucoup ma grand-mère, je l'avais beaucoup filmée, c'est-à-dire ma, ma mère adoptive, on va dire, euh, notamment dans le documentaire Dans ses bras, euh, Nita, euh, pardon, Katatsumori. Euh, donc, dans ce documentaire-là, j'avais également donc, parlé de, de, de ma mère adoptive, euh, donc, euh, qui est traduite en français par Escargot. Euh, et euh, en tournant ce film-là, ce documentaire, j'avais une sensation très étrange. En fait, j'avais l'impression d'avoir un regard subjectif porté sur ma grand-mère, et en même temps, pendant quelques secondes, j'ai eu la sensation de me découvrir moi de manière objective. C'est-à-dire que j'avais l'impression de me voir en train de filmer ma grand-mère. Et quand j'ai ressenti ces quelques secondes-là, je me suis dit ah, peut-être que maintenant, je suis capable de tourner une fiction. Et c'est donc avec, après avoir ressenti cela que j'ai commencé à écrire le scénario de Suzaku. Mais dans mon cas, je pense que toute l'expérience que j'ai accumulée en créant mes documentaires m'a beaucoup servi pour tourner les fictions. Je pense que j'avais un rapport à la réalité qui avait été vraiment construit à travers mes documentaires et ce que j'ai cherché à intégrer dans le tournage de Suzaku. Donc je pense que ce rapport entre le moi subjectif et objectif, il est également présent dans les films fiction que j'ai tournés. Nous allons voir un premier extrait qui est justement un un extrait de, de Suzaku, euh, Moeno Suzaku, qui date de 1997, je crois. 気つけるよ。あと七かけ。うん。そやな。こいつも住み込み方が楽や言うてるし。 また一緒にいて、寄ってくれはるし。二人には広すぎるわ。 お願いします。 Donc, Suzaku, Moeno Suzaku, c'est le, le film qui a, qui a valu à, à Naomi Kawase une, 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 une reconnaissance internationale, puisque le film est montré à la, à la quinzaine des réalisateurs et il obtient la, la caméra d'or, euh, qui récompense le, le, le meilleur premier film du, du Festival de Cannes. Donc euh, vous, vous imaginez les, les, les conséquences voilà, d'un tel, tel lancement. Le film avait été une, une formidable révélation. Quand on, quand on voit alors j'ai choisi un peu égoïstement des, des extraits de, de, de films et puis des passages en particulier que, que je retiens très très fort dans mon, dans mon esprit et, et qui m'avait beaucoup ému qui, qui m'avait vraiment marqué donc vous verrez pour la suite aussi c'est pas forcément des c'est plutôt des extraits connus là il s'agit des, des adieux à la qui interviennent vers vers la fin du film. Donc, même s'il s'agit d'une œuvre de, de fiction, on, on ne peut s'empêcher de, de penser à, 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 votre, à votre mère adoptive et puis à, à, à une jeune fille, voilà, qui pourrait être, être vous. Euh, il, y a, il y a déjà une, une présence très forte de la nature qui, qui englobe les, les, les personnages. Une, il y a une, quasiment une, une fusion entre les, 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 les villageois et, et la nature, qui les qui les entoure, qui est une nature protectrice et bienveillante, et cette jeune fille, elle est presque euh, happée comme ça, elle, elle est euh, écartée d'une un, sorte de, de, de paradis euh, terrestre. Donc, ce que la, la, cette scène est, est, très, est, très, est très émouvante. Euh, est-ce que voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur cette première expérience de, de tournage d'un long métrage avec euh, J'imagine des, des acteurs qui étaient aussi et surtout des, des comédiens non professionnels qui, qui, qui interprétaient à l'écran des, des rôles proches de leur, de leur vie réelle. Et, et, et déjà ce, ce talent à, à, à filmer les, les, les personnages, enfin filmer des, des, des acteurs, des, des, des hommes, des femmes, sans, sans que la caméra paraisse être un un obstacle ou quelque chose qui, qui crée une distance mais qui au contraire permet d'aller au plus près des, des corps et des, et des sentiments et des et des émotions. Ah, et fait, je aussi c'est プライベートなドキュメンタリーですがあのその映画を見た人はおばあちゃんとお孫さんのとてもいい関係を描いていてほのぼのしますというような感想をいただくこともありますでも実はその養母との関係は私はあんまり良くなくて、えー、家の中でその高齢の養母と、まあ、思春期というかあの自分が何者であるか分からないというようなものを抱えている。あの 20代前半そういうような人間が一緒にいるとまあ口を聞かないというかもしくはき口を聞けばあの喧嘩になるというようなそんな状態であの自分の何かこうやるせなさっていうかあの自分のこう中にあるこうものをあの吐き出せない。 イイライラしたた感じっっていうのがあったんですねでもそこにカメラがやってきてくれたことでそうカメラを持ってその彼女に向き合うっていうのはとても関係性を良くしたんですね。でそういう意味では私は <laughs> 根本的には人が怖いですそしてあの人の中で自分がきちんとしなければいけないというようななんか 焦りみたいななんかそういうものも得てしまってあのできればこうようなな感覚に実はなっていいることも多いですでもこう映画というものはそれをこう解放するというのか自分自身の魂の奥底にあるようなものをあのさらけ出してそしてフィルムに焼き付けていいんだっていうようなそしてそのためにも何,ず何かこう 他者私以外の人たちとの関係性をより大きいものにあのすることができるそれは俳優であってもドキュメンタリーにおける対象実際に生きてる人たちであっても、うん、カメラがあることで世界を変えることができる大げさに言えばそんなふうにも思えて私というちっちゃな人間がその世界に対してその開いていく。 あの、Alors, dans le documentaire Escargot dont je vous ai parlé, donc euh, j'y montre la relation que j'ai avec ma mère adoptive que j'appelais grand-mère, et certaines personnes qui ont vu ce documentaire me disent ah oui, c'est très attendrissant de voir cette relation avec cette personne âgée avec sa petite fille. Alors qu'en fait, ma relation, elle n'était pas vraiment attendrissante à l'époque avec ma grand-mère. J'avais une relation difficile avec elle. Euh, évidemment, elle était assez âgée. Moi, j'étais une adolescente. Euh, je me posais des questions sur mes origines. Euh, donc, vous pouvez imaginer que les relations pouvaient être tendues. Euh, finalement, on ne se parlait pas tellement. Euh, Lorsqu'on se parlait, c'était pour se disputer. Et j'avais comme un, un, une frustration en moi. Et je ne savais pas où ressortir cette frustration, où la recracher. Et c'est alors que j'ai rencontré la caméra. Et à travers la caméra, j'ai réussi à améliorer la relation que j'avais avec ma mère adoptive. Personnellement, euh, en général, en termes généraux, j'ai peur des gens. Euh, j'ai à chaque fois, je ressens une, une certaine pression. J'ai l'impression que je dois agir bien, que je dois être bien vis-à-vis -vis des personnes. Euh, et très souvent, j'ai envie de me renfermer sur moi-même, dans ma chambre, euh, sans voir personne. Mais finalement, la caméra m'a permis de me libérer. Euh, avec la caméra, euh, j'ai commencé à me dire que ce qu'il y avait au plus profond de moi, peut-être ce qu'on appellerait notre âme, eh bien, euh, j'ai réussi à le dévoiler aux yeux de tous euh, à travers des films que je crée. Et euh, cela m'a permis d'améliorer également les relations que j'avais avec les autres personnes, que ce soit avec les acteurs, que ce soit avec les personnes que je filme dans mes documentaires. Donc finalement, ça peut sembler exagéré, mais pour moi, le cinéma, c'est quelque chose qui me permet d'améliorer le monde, de changer le monde. Euh, et d'ailleurs, moi, je ne suis qu'un qu tout petit être dans ce monde, euh, mais euh, le cinéma m'a permis vraiment de m'ouvrir euh, dans le monde dans lequel je vis. D'ailleurs, vos films, on peut définir vos films, en tout cas des, des scènes de vos films, par des, par des moments de vie où euh, la notion même de, de mise en scène, non pas qu'elle qu disparaisse, mais elle semble entièrement dans, le, dans, 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 un, dans un sens de, 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 de montrer la vie sans avoir besoin d'artifice ou de la, de la recréer ou de la reconstituer. Euh, il y a quelque chose d'assez unique dans, ces, dans, dans, dans vos films. Et, et justement, on a, on a parlé de, de l'absence finalement de, de distinction entre fiction et documentaire. Pourtant, il y en a quand même un peu, en tout cas sans doute au moment du, du tournage. Euh, est que, euh, comment est-ce que vous mettez vos, vos acteurs en, en situation euh, par rapport à une scène à, à tourner Est-ce que. Euh, les, les, les frontières, en tout cas, les, les, tout, ce qui, tout ce qui concerne un, un tournage traditionnel est, est un peu euh, euh, nié pour être dans une, dans une situation de, de vie. Ou est-ce qu'au contraire, ça, ça nécessite quand même euh, des répétitions avec les acteurs, des, des, des repérages, plusieurs des, des, des prises, plusieurs prises. Comment est-ce que concrètement vous euh, vous organisez euh, cette, cette, pour obtenir ce résultat あの一緒に暮らしています、この例えば萌えの朱雀だと、えー、この4人は全くの素人です、演技経験のない人たち、えー、女の子とおばあさんは実際にこの村に住んでいる人で、えー、男の子は私の学生で <laughs>、えっと、女の子はあの画家、うん、友人の画家だった。 まあそういうい演技経験のない人たちが演技をするっていうのはとてもやっぱり難しいことで,で、えー、私の脚本の通りのセリフを言うのではなくて同じようにその家に暮らしながら、えー、例えばそのこの玄関は毎日毎日、えー、学校に通う、うん、おばあさんは毎日毎日この畑を耕しているそのような感覚を その人たちの中に入れてもらいます。で、時間を重ねてもらって、そしてそこからにじみ出てくるもの、それを捉えるというような、そんな演出というのか、場を失えるということをやります。 la réponse, c'est que je vis avec les acteurs. en fait, dans le film, l'extrait du film que vous venez de voir, donc dans Suzaku, les quatre acteurs que vous avez vus là ne sont pas des acteurs professionnels. Euh, par exemple, la jeune fille et la grand-mère euh, étaient des femmes qui vivaient dans le village. Euh, le jeune garçon, c'était un de mes étudiants de l'époque. et la femme, eh bien, c'était une amie peintre, donc qui ont accepté de tourner dans ce film. il est très difficile de faire jouer des rôles à des personnes qui ne sont pas acteurs. Euh, et donc, l'idée, ce n'était pas de leur faire répéter euh, des paroles, euh, des discours que j'aurais écrits dans un scénario. Euh, ce que j'ai cherché, euh, c'est vraiment de les habituer à un style de vie qui était propre à ce village. Par exemple, euh, de faire en sorte que la jeune fille, elle prenne l'habitude de, de, de sortir par cette porte d'entrée tous les jours, tous les matins pour aller à l'école. La grand-mère, euh, qu'elle se rappelle euh, euh, de son quotidien où elle allait au potager, par exemple, chaque matin. Donc, c'est vraiment, en fait, une vie que je reconstitue. Pour que les acteurs s'imprègnent de cette vie-là, de, des sensations des personnages qu'ils jouent. Et donc, finalement, plutôt que de parler en mise en scène, c'est vraiment euh, une. Euh, je, je crée une, des situations qui permettent aux acteurs de jouer ce qui ressort euh, à travers ce qu'ils ressentent dans leur vie qu'ils mènent, donc dans le tournage. On va poursuivre avec un deuxième extrait qui est un extrait de Shara, euh, qui est un, un film très impressionnant et, et très important dans votre filmographie. Donc on regarde tout de suite un, un extrait. Donc. On a reconnu dans la, dans la foule, c'est un film où Naomi Kawase interprète un, un rôle comme dans d'autres films, d'ailleurs on vous voit pas seulement dans les documentaires, on vous voit aussi dans des, dans des fictions. Chara, c'est un film magnifique avait été montré à, à Cannes en 2003. Euh, là, on a vu une scène aussi qui intervient vers la fin, qui est la fête du Basaru Matsuri, donc une, une, une fête traditionnelle de Nara avec cette, cette danse euh, qui se transforme en danse de la pluie. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est la danse qui fait venir la pluie ou, euh, ou l'inverse. Ou en tout cas, il y a une interaction assez magique entre euh, ces, ces jeunes danseurs et cette averse. Euh, Totalement inattendu et assez, assez magique. Chara, c'est un film qui, qui va encore plus loin que, que Suzaku, qui, qui s'abstrait presque totalement du, du scénario traditionnel. Là, vous filmez vraiment la, la vie euh, telle qu'elle s'écoule sur plusieurs années en, en suivant plusieurs personnages, une, une famille. Euh, il y a le thème de la, de la disparition, le thème du deuil, des choses qui sont assez inexpliquées et un, une sorte de flux euh, vital qui, qui s'écoule comme ça et qui donne au film un, un, un rythme euh, très particulier, absolument euh, unique. Et puis il y a cette fête, cette scène de danse euh, qui, euh, voilà, dégage une, une énergie euh, extraordinaire, une énergie de, de, de vie, de, de, de joie, et, et qui montre cette communion avec la, avec la nature qui est, qui est euh, propre à votre euh, à votre cinéma. Est-ce qu'on peut revenir plus spécifiquement sur cette scène comment, comment on organise une telle scène Alors là aussi, c est, c est à la, ça paraît à la fois très, très simple, très naturel, mais ça, ça nécessite quand même sûrement des, des, des préparatifs particuliers. そうですね、まあ、あのそこまで本当にリアリティを追求して何かを仕込むとかそういうことはなかったんですけれどもこのシーンに関しては雨はもちろん降らせましたそして夕立あの夏の夕立を表現しているんですけれども実際に私はあのこのバサラ祭りで夕立にあっても踊り続ける人たちを目撃しちゃったんですね。ででもそれはそれれはは感動的で あのほとばしるあのなんか情熱っていうか彼らの,あの魂がなんかあのそこにふわっとこう現れてあの私をこう襲,う襲うっていうか,なんかそういうあのものを目撃してしまったからには映画にしようと、うん、でその映画にする時にはこれを再現しなければいけないので。 このお祭りを開催している人たちに全面協力をお願いしてもう一度このお祭りをやってくれというふうにしてでこの通りを全部お祭りのようにエキストラも1000人近く集めてでこのシーンを撮りました。あの 雨を降らせすぎてカメラマンがもうカメラを覗けないっていうくらいになっちゃったんですけど私はもうそこで役に徹しなきゃいけないのでカメラの横に行くわけにはいかずあのすごい状態の、えー、撮影現場でした。 Alors, en général, je ne, ne cherche pas tellement d'artifice pour exprimer une certaine réalité dans mes films. Mais là, évidemment, euh, c'est une pluie artificielle. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une pluie naturelle. Euh, mais en fait, moi-même, j'avais cette expérience d'assister à cette fête traditionnelle de Bassara à Nara. Et j'avais vu des danseurs continuer à danser malgré la pluie. Euh, et c'était une pluie euh, typique de l'été euh, japonaise, une pluie euh, en fin de journée, une averse. Euh, et je voyais donc ces danseurs en train de, de danser sous cette pluie. J'avais vraiment l'impression que tous les âmes des danseurs étaient en train de se jeter sur moi. Et j'avais vraiment été très, très frappée par cette sensation que j'ai eue à ce moment-là. Donc, bien évidemment, évidemment je m'étais dit, euh, ça, il faut que je le reproduise dans mon film. Et donc, c'est comme ça euh, que je suis allée demander aux organisateurs euh, du festival euh, de m'aider euh, pour pouvoir tourner cette, euh, cette scène-là. Et donc euh, ils m'ont vraiment soutenue. Euh, et on a tout reconstitué, euh, toute une rue entière avec les décorations euh, de la fête. Et près de 1000 personnes se sont rassemblées pour pouvoir donc, reproduire cette scène euh, de la fête Bassara. Et euh, j'avais tellement fait pleuvoir pendant ce, ce tournage-là que les caméramans ne voyaient plus rien. Sauf que moi, j'étais actrice, donc je tournais aussi, donc je ne pouvais pas aller vérifier ce qui se passait derrière la caméra. Euh, donc voilà, ça a vraiment été une scène assez impressionnante à tourner. Vous êtes vraiment très forte parce que je dois avouer que quand j'ai vu le film, je, on, on est tellement euh, happé par, par ce qui se passe à l'écran que c'est inimaginable de, de penser qu'il y a des, des pompiers ou des gens avec des lances à eau qui, qui, euh, qui balancent de la, de la pluie sur cette scène. Ça paraît tellement à la fois euh, magique et, et, et naturel qu'on qu qu a l'impression d'assister à un miracle. <laughs> Donc c'est très réussi. <laughs> que Damas était J'ai réussi à vous avoir, oui, et je suis très contente. C'est en revoyant le film, là, je me suis dit, oh, il y a sûrement, sûrement un truc. On va, on va, on va montrer un extrait d'un autre film, un, un film import, très important qui est La forêt de, de Mogari, euh, un autre film tourné à Nara, un autre film où la, où la nature, là pour le coup, joue, joue un rôle essentiel. On regarde un, un extrait. ハハハハ。<laughs> <laughs> 对呀，哎呀，这个，对 C'est sûrement une des plus belles scènes, de, une des plus belles séquences de, de toute votre œuvre. Le, la forêt de, de Mogari a obtenu le, le Grand Prix du Jury au, au Festival de Cannes en, en 2007. C'est un de vos plus beaux films. Donc c'est une scène, c'est la première scène de, de complicité joyeuse entre une, une jeune femme qui, qui doit s'occuper d'une un, personne âgée qui commence à être atteinte de, de, de sénilité. Et il y a évidemment un troisième personnage dans cette scène qui est, qui est la nature, qui est complice avec les, les personnages, qui, qui participent à, à ce jeu de cache-cache. Alors c'est une nature domestiquée, c'est une nature, c'est un champ de, de thé. Une nature domestiquée par contraste à la fin du film qui se passe dans cette forêt, donc la forêt de, de Mogari, donc une nature beaucoup plus sauvage. Mais à chaque fois, on, on voit à quel point la, la, la nature absorbe, accueille et, 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 et invite les, les, les humains et, et les aide à se, à se retrouver euh, d'une certaine manière. Euh, C'est aussi un film qui a un rapport euh, intime direct hein, avec euh, avec votre relation avec votre euh, grand-mère, euh, qui parle de, de sa maladie d'une manière euh, fictionnelle. Vous consacrerez aussi un documentaire. C'est vrai qu'il y a souvent des documentaires et des films de fiction qui se répondent autour des, des mêmes sujets ou des mêmes thèmes et tournés à, à peu de temps d'intervalle. Voilà. Et puis c'est un film qui, qui aborde aussi le thème de la rencontre, et c'est un thème central dans votre œuvre. Et c'est souvent des rencontres transgénérationnelles entre des, 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 des personnes qui, qui n'ont pas le, le, le même âge. Et ça fait là aussi sans doute écho à votre, à votre expérience personnelle. Est-ce que vous pouvez voilà nous, nous revenir sur, sur ce film qui, qui, je, qui je crois est très, très important pour, pour vous et, et, et un des plus beaux? そうですね。まあ,あの今おっしゃったように養母が認知症になり、そして、えー、実は父の未亡が2歳の息子がいて、そんな中で自分がプロデューサーとしても、えー、作った監督とプロデューサーを兼任するということで作った映画です。えー、この出演者のおじいさんの方は近所の古本屋のおじさんで、あの <laughs> えっとこのおじさんに出演してもらうということからもあのいかに 家族のように映画を作ったかがうかえると思うんですけれどもつまり私自身の生活というものを守らなければいけない生活というものがあってつまりその子どもを育てるその養母の介護をするっていうその守らなければいけない生活とそれからやはりこう映画を作りたいというそういう自分の欲望 というものの中でどうすれば作れるのかっていうことを一生懸命考えてえそれでまるでこうパッチワークのようにというかあのここの部分はこの人を抑えればいけるだろうここの部分はこの人を抑えればというふうに一人一人を一生懸命口説いてそんな時にもフランスの人たちは私のこの映画を支援してくれてそして 形になれたですからカンヌにこうセレクトされたっていうこともあのすごく嬉しかったんですけど賞をいただいてあの舞台に上がれたっていう時にはさすがに本当にあの興奮して泣いたんですけれども賞が何かあったよって言われた瞬間にあの「 泣いたんですね私はでそれを見ていた古本屋のおじさん、まあ、主演ですけれどもがあの私が泣いてるもんで私は悔しいとか悲しいとかでは泣かないはずだと思って <laughs> であの受賞したんだなっていうふうに思ったって言ってましたけれどもでから何かがこう花開くまでは絶対に諦めないし撮りたいっていうその欲望がある限りは Alors, à l'époque où j'ai tourné ce film, j'avais donc ma mère adoptive qui commençait à être atteinte de démence. J'avais également un petit bébé de deux ans dont je m'occupais. Euh, donc, euh, et, et j'ai pourtant donc tourné ce film en tant que productrice et réalisatrice. Mais donc, ça a été très difficile euh, à tourner. Euh, D'ailleurs, l'acteur que vous voyez ici, en fait, c'était le grand-père, donc que vous voyez, c'était un libraire d'occasion du quartier. Euh, donc, euh, je suis allée le voir pour euh, qu'il tourne dans mon film. Euh, C'est vraiment euh, comme une famille que nous avons tourné ce film. En fait, à l'époque, j'avais des choses que je devais faire dans ma vie. Je devais m'occuper de ma grand-mère qui perdait un peu sa tête. J'avais un enfant en bas âge. Euh, et pourtant, j'avais également cette envie de tourner un film. J'étais animée par cette envie-là. Et donc, je me suis demandé comment je pouvais faire ça. Et donc, je suis allée rencontrer des personnes une à une, comme ce, ce libraire, euh, pour essayer de les convaincre de participer à ce projet. Et c'est comme ça que j'ai constitué une petite équipe euh, qui m'a donc permis de tourner ce film. Euh, et la France m'a également soutenue dans la production de ce film. Donc, évidemment, j'étais ravie. Lorsque j'ai appris que mon film était sélectionné à Cannes, euh, mais alors de recevoir un prix pour ce film et de monter sur scène pour cela, ça a vraiment été très, très émouvant pour moi. Euh, D'ailleurs, euh, j'étais tellement émue que j'ai versé une larme. Euh, en fait, j'ai même pleuré lorsque j'ai su que j'avais reçu un prix. Euh, mais euh, le libraire, c'est-à-dire le grand-père que vous avez vu ici, est également sur place. Il m'a vu pleurer. Et euh, il ne savait pas ce qu'il se passait, mais il s'est dit, bon, Naomi, elle ne pleure pas quand elle est triste, donc elle a dû recevoir quelque chose. Et donc c'est comme ça qu'il a su que j'avais également reçu un prix. Mais vraiment, je pense que euh, j'ai cette euh, volonté-là, c'est-à-dire de ne jamais abandonner lorsque j'ai envie de faire quelque chose. Et c'était vraiment une période où j'étais vraiment animée par l'envie de tourner un film. Euh, donc c'est grâce à cette envie-là que j'ai réussi à, à faire ce film. Euh... Il y, a quelque chose qui est très enfin, il y a une figure de style qui est très importante dans votre cinéma, c'est le, le gros plan. Vous avez souvent dit que c'était très important pour vous d'aller au plus près des, des hommes ou des femmes que vous filmiez, que ce soit en fiction ou en documentaire, et que le gros plan, c'était un moyen d'atteindre de, 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 quelque chose qui était de l'ordre de, de, de l'âme, des, des personnages, enfin une, quelque chose qui est de l'ordre de, de l'invisible et qui passe par le, 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 le visage. Bon, le, le visage comme paysage aussi. Euh, et là, bon, on a un contre-exemple assez euh, frappant, puisque bon, le, la scène se termine par un, un, un plan d'ensemble, un, un plan large, où euh, on, on décèle un, un souci euh, pictural. Alors c'est peut-être parce que c'est une, une nature qui, comme je l'ai dit, est domestiquée, donc on, on sent la, 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 la main de, de l'homme. Euh, mais je voulais quand même, alors bon, d'abord revenir sur l'importance du gros plan, mais aussi peut-être un, un plan comme celui-ci, on décèle aussi... Euh, une influence picturale euh, qui essaie de la, de la calligraphie bon, qui, qui, euh, qui joue un, qui, a, qui a une part importante aussi dans l'installation du, du centre euh, Pompidou. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des influences picturales dans, euh, liées à la, à, la, à la peinture aux estampes japonaises dans votre, dans votre cinéma, dans la composition de, de certains plans comme, comme celui-ci? そうですね、まあ、あの本当に私はそれぞれに関してそんなに専門的ではなく直感でやってる方です。うん、ですけれどもやはりその直感というのも私が生まれ育った日本奈良というところが持ってる質感みたいなものがあのその直感を呼び起こすと思うのでやはりあの風景なんかもあの空がすごく広くてあの高い建物があまりなくて。でう それでも世界を無限にこう見せることはできない。で、日本の借景のっていうかあの遠い風景をこうより遠くに見せるというのか,なんかこう近,近づかせるというのかそういうあの手法の中であの全部を見せるというよりは枠を作ってその枠の存在があるからこそその世界が広いんだっていうふうに思わせるっていうようなあのものが あるんですけれどもでそれはあのどちらかというと実は知り合いの庭師の庭,庭を作る人に教えてもらってああなるほど日本の風景の中にはそういったその家の中から見ていてもこう、うん、あの縁側のその縁側から見える山の風景とかはあのすごくその世界をこう 家の中に取り入れるみたいな,なんかそういう感覚があってで私もフレームもやっぱりカメラマンたちがそのようなこう捉え方をしているっていうのは確かにありますでも私の本質的にはやはり近づきたいっていう方があの強くて本当にこう細部までここまで近づいてあの見たいってマクロの世界が大好きなのはなぜなのかがわからないんですけれども。はい Alors, je n'ai pas de connaissances professionnelles sur ces différents domaines-là. Je pense que vraiment, je tourne mes films en me basant sur mon instinct. Mais par contre, peut-être qu'on peut dire que mon instinct a été construit à travers ma vie menée à Nara, qui est une ville donc si particulière pour moi. C'est vrai qu'à Nara, par exemple, lorsqu'on regarde les paysages, le ciel est toujours très ouvert, très grand. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments très hauts. Et pourtant, on ne peut pas, bien évidemment, montrer tout l'univers qui nous entoure. Et je pense que là, j'ai été influencée par ce qu'on appelle le paysage emprunté au Japon. C'est une technique qui nous permet de montrer un paysage, non pas dans la totalité, mais de créer un cadre dans un paysage. Et justement. Pour montrer la grandeur du paysage, donc de, de renfermer un paysage dans un cadre. Et c'est quelque chose qui se fait au Japon. À vrai dire, c'est un ami jardinier qui m'a parlé de ça, de ce concept-là au Japon, qui m'a appris donc cela. Et c'est vrai qu'au Japon, lorsqu'on se trouve à l'intérieur d'une maison, on peut être, par exemple, au niveau de ce qu'on appellerait la véranda, regarder une montagne. Et là, on a une vision, un découpage du paysage qui se crée, qui est vraiment très particulier, qui nous permet quelque part de appeler à l'intérieur de la maison le monde qu'on perçoit. Et je pense que dans mon travail, les caméramans euh, essayent de capter ce que moi je ressens donc, par rapport à, à tout ce que j'ai acquis comme sensibilité à Nara. Euh, mais par contre, je dirais quand même que moi, au fond de moi, ce que je veux le plus, c'est de m'approcher de ce que je vois. Euh, J'aime vraiment filmer les moindres détails. J'aime vraiment le monde macro. Et ça, je ne saurais pas expliquer la raison. On va regarder un autre extrait. C'est un, un autre de, votre, de vos... Très beau film qui est Still the Water, euh, Futatsume Nomado, euh, qui date de 2014. アンコたちはこの海の中まだよがっとらん。ラランもうわしは。 や頼もしいな。 C'est la, la fin du film. J'espère ne pas avoir spoilé ou divulgué comme disent nos, nos amis québécois le, le film. c'est un film, euh, voilà. c'est d'abord un film qu'on avait eu l'immense honneur de, de coproduire à Arte France Cinéma et ça avait été pour nous un, un, un grand moment de, de satisfaction et, et, et le film avait été très très Très, très bien reçu au moment de sa, au moment de sa sortie au moment de sa présentation à cannes c'est alors c'est il y a une quand même une on l'aura constaté une, une certaine délocalisation quand même par rapport à, au film précédent donc on n'est plus à nara mais on est sur l'île à mimi donc vous êtes quand même allé un peu plus loin que, que d'habitude pour pour tourner le film mais on reste néanmoins dans, dans cette thématique de bon d'une part de la de la communion avec la nature d'un rapport très fort avec la nature des habitants de cette île c'est vraiment un film sur le sur le passage et sur la, la transmission de la vie, y compris dans l'expérience de, de la mort. Enfin, il y a l'expérience du, du, du désir, de, de l'éveil de la sexualité, mais il y a aussi l'expérience de la mort. J'aurais pu choisir un une scène qui est, qui est aussi une des, une des plus belles et des plus fortes de votre cinéma, qui est la, qui est, qui est la mort d'une femme qui est accompagnée dans cette mort par des habitants du, du village, et, et ça devient presque une, une, une cérémonie. Euh, Still the Water, c'est peut-être l'occasion d'aborder euh, quelque chose de très important euh, dans votre cinéma et dans votre vie, qui est la dimension euh, spirituelle, euh, mais spirituelle au sens de, du, du shintoïsme ou du, du chamanisme. Euh, le, le, la présence des dieux dans, dans les, euh, les éléments naturels, les animaux, euh, les pierres, la nature. Euh, alors j'imagine que ce sont des croyances qui vous ont été transmises par votre, euh, par votre mère, par, par votre grand-mère, ou euh, c'est quelque chose auquel vous, vous croyez euh, énormément et que vous avez à cœur de, de transmettre, ou en tout cas de, de, de tenter de, de représenter à, à, à l'écran 本当に奄美大島にあの場所を移した理由が大きくあって、えー、この作品を作る前にあのその養母が亡くなるんですねで養母が亡くなったことによって私をなんかこの世に繋いでいたものがなくなったという。 こう大きな喪失というかがあってで何かこう自分がもう一度そのルーツというものにあのルーツを見つけないとどうにもこうにもこの,せこの空間にいられないというそんな時を過ごしましたそれでルーツを探ってみると奄美大島だったんですねで奄美大島に行ってみるとあのいろんな,なんかあの遠い親戚がいて。 あの私のことを言うと「あのおかえり」っていうふうに言ってくれたのがとても印象的でそしてそこで映画を撮ろううというふうに決心をしましたそしまたそそてこにはまだまだこうシャーマンというあの自然の中で神とつながってるような人が存在していてで、うん、お祭りあのその自然に。 あの敬うようなお祭りが残っていて集落というものがすごく固い絆で結ばれているというのを知って、えー、そのような要素を取り入れてこの映画を作りました、えっと、何かこう、うん、撮ってる最中もあの編集している最中もなんか特に編集している最中にこの世界は それでも美しいんだこの世界はそれでも美しく変わっていくんだみたいなここでこのメッセージを伝えないともうダメなんだっていうふうに思いながら泣きながら編集していたっていうのを思い出します。うん Alors il y a une raison très particulière, très importante pour laquelle j'ai décidé de tourner un film sur l'île de Hamami. En fait, un peu avant le tournage, euh, le début de ce projet-là, euh, ma mère adoptive est décédée. Et j'ai vraiment eu l'impression que le seul lien qui m'unissait à ce monde avait disparu. Et donc j'ai ressenti un besoin de re rechercher de nouveau mes racines euh, pour essayer de, de, de me sentir encore présente dans cet espace-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais des origines sur l'île de Hamami. Et lorsque je m'y suis rendue, eh j'ai rencontré des familles, ma famille lointaine. Et ces gens-là m'ont dit ⁇ donc qui est le mot qu'on dit au Japon lorsque quelqu'un rentre chez soi. Donc ils m'ont dit ⁇ Ah, tu es revenu ⁇ et c'est donc à cet instant-là que j'ai décidé que j'allais tourner un film sur cette île. En fait, c'est une île où se trouvent encore des chamans, euh, qui sont donc des personnes qui sont en connexion, en lien avec les divinités. Et puis il y a également euh, de nombreuses fêtes euh, qui consistent à célébrer, euh, à vénérer la nature. Et puis il y a vraiment des liens très forts qui unissent les différents hameaux qui existent sur cette île. Et donc c'est en découvrant euh, toutes ces particularités-là de cette île que j'ai décidé euh, de, donc, de créer ce film-là. Et à vrai dire, pendant le tournage, et en particulier pendant le montage, euh, j'ai eu les larmes aux yeux, en fait, j'ai pleuré parce que j'ai ressenti très très fortement un besoin, une nécessité pour moi de transmettre un message qui était de dire euh, que le monde était beau et que le monde il restait beau euh, même euh, dans son évolution et dans son changement. Au-delà de la mort, enfin, que, que la mort, euh, enfin, le, le, le film intègre la mort tout en étant une, une célébration de la, de la vie et de la, et de la beauté, comme vous le, comme vous le dites. Euh, mais là, on a parlé du chamanisme qui était propre à cette île, mais, mais j'imagine qu'à Nara, vous avez aussi été baigné, imprégné par, des, par une culture shintoïste, par des, des traditions an, ancestrales qui font partie du, du quotidien aussi à, à Nara. そうですね、まあ、私が本当にあのおばあちゃん育ってくれたそのおばあちゃんから受け取ったのは街角にあの路地とかのところにお地蔵様がいるんですね私たちの町にはでそのお地蔵様に向かって手を合わせるということは必ずそこを通るとしていてで、まあ、あとは太陽が朝昇ってくると太陽に手を合わせる。 で「今日も一日よろしくお願いします」とかで「太陽が沈むものに対してもあの手を合わせている人たちがいる」なんかそういうあの見えないものとかが存在してるんだっていうふうに思わせられるような行為をこう上の世代の人たちがするんですね。なんかそういうい石ころにも、うん、木々にもも木々 神が宿っているというような、そういう考え方。それはあの奈良のあちこちで見られるなと思っています。 Alors, en effet, c'est donc euh, ma grand-mère, ma mère adoptive, euh, qui m'a appris, qui m'a transmis certaines choses. Euh, notamment à Nara, dans les petites ruelles, euh, on trouve des petites statues de Bodhisattva et elle m'apprenait à toujours faire une prière lorsque je passais devant ces petites statues-là. Et c'est vrai qu'à Nara, on rencontre beaucoup de personnes âgées qui, par exemple, vont saluer le, le, le soleil qui se lève, euh, donc pour. Euh, pour saluer le début de la journée et puis certaines personnes vont également saluer le soleil lorsqu'il se couche pour les remercier de la journée qui vient de passer. Donc je pense que les personnes, les générations anciennes à Nara nous apprennent vraiment à comprendre qu'il y a des choses qui existent dans le monde même si on ne les voit pas avec nos yeux. Et le fait par exemple que les cailloux ou les arbres peuvent renfermer des divinités et toutes ces choses-là, je pense que je les ai j'ai reçu donc ces transmissions-là particulièrement du fait que j'ai grandi à Nara. Pour revenir à la scène qu'on vient de voir, elle fait écho dans le film à une scène précédente ou euh, une autre scène aquatique où la, la jeune fille elle nage aussi sous l'eau mais habillée avec son costume de de, de, de lycéenne ou de, ou de collégienne. Et là, les, les deux personnages, voilà, qui, les deux amants qui viennent de faire l'amour sont sont nus. Est-ce qu'on peut revenir sur la, la réalisation de cette scène qui a dû être une scène quand même très très compliquée à, à tourner et euh, en revoyant, enfin, j'ai vu le film plusieurs fois et, et j'étais frappé de, de, la, de la nudité des, euh, des personnages, alors que on sait qu'au cinéma au Japon la, la nudité est assez euh, taboue. Alors comment vous avez transgressé cette, cet interdit Vous, avez, bon, évidemment, vous avez pris une grande liberté et on, et on sent tout à fait la, ça, ça, ça confirme la, la, la grande différence, la grande singularité de votre cinéma par rapport au, au, au reste du cinéma euh, japonais. Mais cette scène est quand même sans évidemment sans la moindre obscénité, mais elle est, elle est très frappante par sa, par sa beauté, par sa, par sa pureté, et, et la manière dont vous l'avez tournée est tout à fait étonnante. Oui. それはもう本当にお母さんのおなかの中のような感覚だったのでそこで服を着るというのはいいけない <laughs> でしかもその少年少女が初めてまぐわってそしてその後また海に海とまぐわるっていうかなんかそんな感覚を出す時に何かを遮るものがあるっていうのは良くないなというふうに思いました。 En fait, euh, certes, il existe Il existe des, des tabous dans la société japonaise, mais j'essaye de n'y pas y penser. Euh, la mer, pour moi, elle représente un peu le ventre d'une mer. Euh, et donc pour moi, ça ne collait pas que les personnages restent habillés euh, en étant euh, dans la mer. Et puis euh, là, on voit donc deux jeunes qui font l'amour pour la première fois euh, et ensuite ils vont plonger dans l'eau. C'est comme s'ils faisaient l'amour avec la mer qui les entoure. Et là encore, je trouvais que les vêtements étaient de trop. Et donc, pour moi, c'était normal qu'ils soient dénudés. On va montrer un autre extrait qui est un extrait des Délices de Tokyo. Anne, un film très particulier dans votre filmographie. Ils ont un 潰れちゃうからヘラをあの時々使うのよ潰れないように少しずつ少しずつ少しずつってどれぐらいですかちょっとわかんないですけど少しずつってのはね少しよあんは寝るんじゃなくて煮詰めていく感じはいはい飲めたら

Bon, c'est une scène particulièrement savoureuse, on va dire. Euh, ouais, c'est une très belle scène d'un très beau film alors qui, qui euh, qui semble dénoter dans votre œuvre pour plein de raisons, parce que bah, d'une part, là, vous quittez euh, Nara de manière encore plus radicale que dans style the Water, puisque ça se passe à Tokyo, dans une grande euh, métropole, et que c'est la première fois que, que l'histoire n'est pas de vous, c'est l'adaptation d'un roman de Duryan Tsukegawa, euh, donc ce n'est pas un scénario euh, original. Néanmoins, ce qui est formidable, c'est qu'on retrouve euh, tout votre univers, mais je dirais euh, con, concentré. Euh, alors, ce, ce rapport à la nature qui est était évident dans les films tournés à, à Nara. Là, la nature, elle est, elle est dans, une, dans une marmite. Elle est, le rapport à la, à, la, à la nature, il est concentré dans une recette de, de cuisine. Et, et c'est aussi le rapport à la, à la tradition, puisque la gastronomie est est joue un rôle important aussi dans la, la, la tradition, les traditions japonaises. Là, c'est les fameux doriyaki qu'une qu vieille dame fait avec une grande dévotion et une, une grande passion. Et puis aussi le thème de la rencontre entre un homme et une, une dame plus âgée et, et, et le thème de la, de la maladie, de, de l'amour. donc c'est un film profondément personnel, même si pour la première fois vous vous aventurez dans des territoires qui sont ceux du cinéma japonais un peu plus grand public ou, ou commercial sans, sans rien perdre de votre, de votre originalité, de votre authenticité. そうですね、まあ、これは本当ドリアン・助川さんがあのいらっしゃって映画化したいと言われたところから始まっていますそしてドリアンさんがキーキーリンさんで映画化したい。 という,ふうに言われて、まあ、私はオリジナルの脚本しかやってなかったのであの原作のあるものはどうかなっていうふうに思ってたんですけどもあの原作を読んでみると自分の,あの今まで描いてきた世界観と近いところがすごくあって、えー、これは共に作れるんじゃないかなっていうようなそういうところから始まりました。ですからそのののの作品の中に出てきててきいいるあのハンセンセ病の療養所っていうのは 東京にあるんですねでそこはリアリティというところがあの最も大切なのでそちらに、えー、撮影場所を持って、えー、作り上げましたでいろんな意味でこう作ってきた映画が為替らしさみたいなこととあ少し違うねっていうような作り上げればそういうふうにあの批評されるっていうのはあるんですけど私の中にはいつも出会った人と その人と一緒に作ることができるのか？あの、そのトピックは私にとってリアリティがあるのかどうか。なんかそこら辺のところが物差しになって、それがちゃんとあの合うのであれば、そこに豪をするというような形で今まで作ってきて。 Alors vraiment, ce film, le point de départ, ça a été la volonté de Dorian Tsukagawa, qui a écrit ce roman-là, de vouloir en faire un film. Et il avait également souhaité que le rôle de la grand-mère soit joué par l'actrice Kirin Kiki. Et donc, comme moi, je n'avais tourné que des films avec des scénarios originaux, je n'étais pas convaincue, je n'étais pas certaine d'en être capable. Mais finalement, après avoir lu son roman, je me suis dit qu'on pouvait faire ce film-là ensemble. Euh, je me suis éloignée de Nara parce que donc euh, dans le film on traite de la lèpre, la maladie, euh, et il y a un sénatorium euh, qui se trouve à Tokyo, donc, euh, où vivent des personnes qui sont atteintes de la lèpre. Et donc par souci de réalisme, j'ai souhaité tourner le film proche euh, de ce sénatorium-là. Euh, Évidemment, une fois que mes films sont tournés, on pourrait les analyser en disant Ah, alors ce film-là est vraiment euh, typique de Kawase, ou alors Ah, ce film est un peu plus original dans ce qu'elle fait. Mais moi, euh, en point de départ, à chaque fois, je me pose euh, les mêmes questions. Euh, J'ai d'abord l'envie de créer euh, des films à travers les rencontres que je vais faire dans ma vie, et puis je me demande également euh, où en est le réalisme du sujet. Et c'est à travers là que je décide ou non de produire un film. Mais c'est vrai que malgré. Euh le fait que le film soit tourné à Tokyo, le, le, le rapport à la nature reste malgré tout très fort, même si cette, cette nature, ben, ce sont des, des haricots rouges euh, et qu'ils et que sont, ils sont aussi portés d'une dimension euh, presque sacrée euh, dans, le, dans le film. Et c'est ça qui est, qui est à la fois très, très poétique et très, euh, et très émouvant. Euh, j'ai eu l'occasion de, de lire euh, la plupart de vos scénarios depuis Still the Water et, et j'ai constaté que ce sont des scénarios qui, la plupart du temps, sont... sont enfin, en tout cas, que les films euh, tirés de ces scénarios sont au final assez fidèles euh, au scénario euh, original, euh, malgré ce que vous avez dit par rapport au souci de, de, de capter la, la, la vie, la réalité. Euh, Mais je me posais la question par rapport à un film comme, comme Shara, qui est vraiment un film euh, en... Quand on le voit en tout cas euh, en, en totale rupture avec une, une narration euh, traditionnelle par rapport à la façon dont, dont euh, le, le, le temps s'écoule et que les personnages sont présentés, même que les, les péripéties sont montrées. Euh, je voulais savoir si dès vos premiers films, vous aviez recours à un scénario, euh, on va dire, relativement traditionnel, ou si c'était une étape. Euh, vous, de laquelle vous ne nous affranchissiez pas vraiment, mais qui néanmoins n'était pas aussi importante que ça, et que le, le film naissait plutôt au moment du tournage. <laughs> は川瀬監督は、えっと、脚本を書いてないんじゃないかとか即興ですごくやり続けてるんじゃないかっていうことも、えー、言われているんですけれども私の中でも何回も何回も書き直して本当に割と計算し尽くして、えー、設計図のような脚本は書いています。 En fait, dans mes films, il y a toujours un scénario et qui est même très solide. Comme mes documentaires sont assez connus, les spectateurs ont tendance à se dire que peut-être que je n'ai pas de scénario à proprement parler, peut-être que j'improvise beaucoup dans le tournage de mes films, mais en fait non, je réécris, je corrige de très nombreuses fois mes scénarios et en fait, c'est même une conception très très calculée qui donne naissance à des scénarios donc très précis. Je crois que c'est le moment de, de, de revenir à Nara, euh, grâce à votre festival, grâce au festival de Nara. Donc, c'est vrai que la, la dernière partie de cette, de cette rencontre va être consacrée à, euh, ben au festival de Nara, qui a été créé par Naomi Kawase en, en 2010. Donc, on va en discuter avec elle, et puis on va aussi en discuter avec Pedro González Rubio et, et Aida Panahande, euh, qui sont deux des réalisateurs qui ont, qui ont fait des films dans le cadre de ce festival. Donc on va envoyer la bande-annonce du, du festival pour permettre à, à, à nos amis de nous, de nous rejoindre sur, sur la scène. 熱量が持ってきたくらい。栗どうした？あ、ちょっと聞きたいことがあってね。うん。あなたお母さんに何か言ってないことあるでしょ。秘密にしてない。事故に遭った <laughs>、うん。お母さん探さなきゃ。<laughs> なんで捨てたの捨ててないわすみません大丈夫ですか恨んではないよただなんで来てくれなかったのかなっていう。何回も息かけたんだけど <laughs> 왜요? 왜 아니야 <laughs> 아뭐 아니 진짜 와서 영화 찍을 때 진짜 배우로 써도 되지 않나 너 같은 녀석 이렇게 会長職やってこれだなんて、私には信じられないなよ。信じなくていいんだよ。 今のうちの事情分かってくれてるねはい達也に男の子を産んであげられなかったら二号さんを受け入れてくれるかいいい加減にしてよ息子息子息子ってさ息子さよりはんだっていいんでしょ On va peut-être demander à, à Pedro González Rubio et, et Aida Panande de nous, de nous rejoindre sur, sur, sur la scène. Euh, on les applaudit. Na Naomi, est-ce que vous pouvez revenir sur les, les conditions de, de création de ce festival et surtout sur ses objectifs euh... そうですね, とと、ころから言うとやはり私が映画祭というものの持っている魅力を存分にこう経て映画監督としてのキャリアを積み重ねてきてるっていうことがあります。えっと、映画祭というのは映画を見せるというだけではなくてそこに集う人たちがつながりを持ってまた次のプロジェクトが始まるっていうところにもあると思っていてその一つの取り組みが映画を見せる映画祭の年と映画を作る年。 これで映画祭が2年に1度行われるというようなプロジェクトをしていてこの映画はナラティブというふうに題されて2年に1度制作がされるわけです。 en fait, si j'explique le début, enfin, la naissance de ce Festival international de cinéma de Nara, euh, eh bien, ça vient de la constatation que moi-même, j'ai construit ma carrière à travers les différents euh, festivals de cinéma internationaux. Et je pense que ce qu'il y a de, de superbe dans les festivals euh, de cinéma, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de montrer des films dans ces lieux-là. Il s'agit également de faire des rencontres qui nous permettent de donner des, des naissances à de nouveaux projets cinématographiques. Euh, c'est comme ça que donc j'ai eu l'idée de créer un tel lieu euh, également à Nara. Euh, le, ce festival a lieu une fois euh, tous les deux ans parce que il y a une année qui est consacrée pour montrer euh, les films au public et puis il y a une année qui est consacrée à créer des films alors ça c'est un peu plus original parce que c'est vrai que les, les festivals de cinéma sont des lieux de projection sont des lieux de rencontres euh, ce sont aussi de plus en plus des lieux de, de marché de coproduction où effectivement euh, naissent des projets en tout cas c'est souvent le point de départ de, de projets par rapport à des recherches de financement euh, mais là c'est quand même un peu particulier parce que c'est aussi un festival qui produit et qui réalise des films. Donc comment, comment est née cette idée et comment c'est organisé Alors j'imagine que c'est un an sur deux, c'est pour justement que ces films puissent euh, avoir le temps d'être réalisés, mais comment est née cette, cette idée de ne pas être seulement un lieu où on montre des films, mais aussi un lieu où on en, on en produit Alors, あの素晴らしい土地ではあるんですけれども、経済という意味では過疎化が進んだりとか、若者が村を出て行ったりとかするような状況が続いています。で、そんな中で海外の優秀な若い監督にその場所に来て映画を撮ってもらうことで、映画というのは物語を伴うので、物語を伴ったものっていうのはちゃんと海外の人たちにもこうして見ていただく機会が できそして一番はその作った場所に暮らしている人たちがこの映画を見た時に「あれ私たちの暮らす場所ってこんなに美しかったっけこんなに人が素晴らしいつながりを持って生きてるんだっけ」 っていうようなことをこう再発見するっていう役割もあるんですねで。そうすることで自分たちの暮らす町、土地、そういうものにあのしっかりと愛着を感じ、誇りを持って、えー、そこで暮らし続けるということができるんじゃないかなっていう思ってます。ナラスはとても古い街で、歴史が豊かで、とても素晴らしい街です。 En même temps, d'un point de vue économique, Nara connaît des difficultés, il y a une vraie désertification, les jeunes quittent les villages. Et dans ce contexte, je me suis dit que ce serait génial si des jeunes réalisateurs de talents étrangers venaient à Nara pour tourner des films parce que finalement le cinéma, qu'est-ce que c'est C'est raconter une histoire et je me suis dit que si on racontait des histoires de Nara, eh bien cela allait donner l'occasion à des personnes du monde entier de regarder donc ces histoires tournées à Nara. Et euh, je me suis également dit que, à travers ces films tournés à Nara, peut-être que les habitants de Nara vont redécouvrir euh, leur région, vont peut-être se dire ah mais j'avais oublié que Nara était si beau, j'avais oublié qu'il y avait des personnes aussi merveilleuses dans Nara. Et c'est pour ça, je pense que je me suis dit que ces films-là allaient peut-être également permettre aux gens de, de s'attacher de nouveau à leur région et d'être fiers de leur région. C'est vrai que c'est une, une belle idée de. de que, que des gens de, de Nara, natifs de Nara, euh, redécouvrent d'une certaine manière la beauté de leur région par le prisme des, du regard de, de réalisateurs euh, étrangers. Euh, Pedro est, est, est mexicain, Aida est, est iranienne. Euh, et com comment est-ce que vous procédez alors à la, à la sélection, j'allais dire, des, des, des réalisateurs étrangers invités euh, com Comment ça se passe concrètement

で実はえっとこの間にあのえ東の狼とひと夏のファンタジアというのが韓国人監督と,えっとキューバ人監督がいますけれどもその監督はあのグランプリじゃなかったんですね。というのもグランプリを取った監督には次の企画が待っていて。 そして私たちのナラティブの制作プロジェクトの期間に撮影ができなかったでつまりはその次の監督あの次そのえっと観客賞を取った監督だったり次の辞典っていわれる監督になったりしてた分があったのでもう今年からあらかじめ観客賞とゴールデンシカ賞 そしてもう一つチャンスとして学生映画部門のゴールデン小鹿賞と観客賞この4名がシナリオを提出してそして私たちが選ぶというシステムに切り替えました。 En fait, euh, jusqu'au film qui était tourné par Aïda, euh, à chaque fois, donc c'est-à-dire cinq films, à chaque fois, c'était le réalisateur qui obtenait le grand prix du festival, qu'on appelle euh, le prix du cerf d'or, parce qu'il y a beaucoup de cerfs à Nara. Euh, donc, c'est celui qui obtenait ce prix-là qui, ensuite, obtenait le droit de tourner un film à Nara, un film que j'allais produire moi-même. Euh, sauf qu'il euh, y a eu deux films, entre-temps, qui ont été tournés, euh, pardon, deux réalisateurs qui ont obtenu euh, euh, le prix d'or, le grand prix, pardon, euh, qui étaient coréens. Et Cubains. Et ces deux réalisateurs-là, ils avaient déjà des projets euh, à venir. Et donc, ils n'ont pas pu venir tourner euh, le film, leur film à Nara pendant euh, le projet narrative. Et donc, on a décidé, finalement, d'accorder euh, la production de films à des réalisateurs qui avaient obtenu soit le prix du public ou soit le prix euh, du jeune espoir, etc. Et à partir de cette année, finalement, on a décidé qu'on allait mettre toutes ces règles-là à part, qu'on allait passer à autre chose et que finalement, on allait. Euh, recevoir différents scénarios de la part des réalisateurs qui auraient obtenu soit le prix du public, soit le grand prix, euh, soit euh, le prix... Euh, oui. 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 Ou alors euh, le prix euh, étudiant, et c'est le prix qu'on appelle le prix du fan. Donc voilà, on allait recevoir euh, les scénarios de ces réalisateurs-là, et c'est nous qui allons faire la sélection euh, pour choisir quel film on allait produire. Très bien, les règles sont, sont claires. Euh, Pedro, euh, moi j'avais adoré euh, Alamar. Euh, je ne sais pas si c'est ce film Alamar qui avait gagné le serf d'or à, à, à Nara. Oui, c'est ça. Et, et, et donc je n'ai pas été vraiment surpris quand, quand j'ai découvert euh, Inori, euh, parce que dans Alamar, il y avait déjà un rapport très fort. Euh, avec des, des personnages et la nature, en tout cas, les, la, la, la vie des personnages dans un environnement naturel, sauvage, grandiose et magnifique. Donc, c'était assez naturel finalement de, de vous retrouver dans un tel projet. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu cette expérience et euh, qu'est-ce que ça fait, voilà, de, de se retrouver au, à, à Nara, enfin au Japon, à, à tourner un, un, un film euh, dans, dans, ces, dans, ces, dans ces conditions Voilà en fait j'ai découvert euh, en recevant le prix que le prix c'était de tourner un film euh, et je pense <laughs> que mon film était le premier en fait hein, à, à faire partie de ce oui, projet en 2012 donc 2010 2012 ouais. So, um, so basically, uh, what, what followed is uh, to find a location. I mean, we, I, I, uh, Naomi and I uh, talked uh, profoundly on what my interests were. And basically, I, what I told her is that I, I wanted to continue to do a film uh, about the relation between uh, humans and nature. Et ensuite, en fait, c'est s'agit de trouver un lieu de tournage. on a beaucoup parlé de façon très profonde avec Naomi sur ce que je voulais faire, sur mes intérêts, etc. Et, et moi, ce que je voulais faire, c'est d'explorer hein, cette relation entre des gens et la nature. So, um, so then when, when uh, we, we, we went to different locations and uh, finally uh, the decision to film Inori in Totsukawa in this small village with only thirty something inhabitants was the was an image that um, Naomi sent me by email, which was the the tree the that we see at one point at the film There's a beautiful tree called Bohuri uh, which is in the um, um, yeah yeah in, in the forest very very near from the village in um, en fact uh, La raison pour laquelle je suis arrivé, hein, on a cherché des lieux, on se demandait où tourner, etc. Et finalement, on a laissé de, de filmer à Totsukawa, hein, qui est un tout petit village, une, à un mot, une trentaine d'habitants. Mm -hmm. euh, et la raison pour laquelle je suis arrivé, j'ai décidé de tourner là, c'est un email, comme m'a envoyé euh, Naomi, avec une photo d'arbre, hein, un arbre qu'on appelle un bohuri, euh, qui est un arbre absolument magnifique qu'on voit dans le film et qui est tout, tout près de, de, du village, dans la forêt. And, um I think we are both very mystical filmmakers. I, I, I um, well, at least I find a lot of, um, I say, um, I'm very, um, I, I feel a lot of empathy with Naomi's vision. And um, so I think it, it, was, it, it was kind of, uh, we felt the, s the same things re uh, in relation to the place and the, the story that we had to film. In et je pense qu'on est tous les deux des, des cinéastes mystiques et je ressens une grande empathie envers la vision de Naomi. Uh, et je pense qu'on ressentait la même chose envers ce lieu et envers la chose, l'intrigue ou l'histoire qu'on voulait filmer uh, dans ce lieu, hein, qui est Totsukawa. And village inhabitants village. So I wanted to portray um, a story that about, about this um, mid, how you say um, this state state of being between death and life, and the passage uh, portrayed through a bridge between the land of the dead and the land of the alive.: It's a village qui est en train de en fait, qui est en train Par la nature. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est cet entre-deux, entre, entre la vie et la mort, qui est incarné par le pont. Hein, on voit un pont dans le film, qui est le pont entre le, la terre des morts, le pays des morts et le pays des vivants. Et quelque chose qui a aussi créé beaucoup de chemistry entre notre um, collaboration, c'est que les cultures, Mexico et Japon, nous sommes très. Do, do we take rituals very profoundly, uh, rituals related to, the de to death, mm. and uh, we are not afraid of the death, we don't escape death, we don't deny death, we accept it as part of every single day, every breath we take. So, so um, that's something that I think created an interesting chemistry in this collaboration. I think what created an interesting intéressante in this collaboration C'est que le Mexique et le Japon sont deux pays qui, ou deux cultures qui prennent la mort et les rituels de mort extrêmement au sérieux, avec une grande profondeur. On n'a pas peur de la mort, on n'essaie pas d'échapper à la mort. C'est quelque chose qui fait partie de, de, voilà, de nos vies, c'est quelque chose qui fait partie de notre. qui vit avec nous. Dans chaque, dans chaque souffle, quelque part, la mort est présente pour à la fois pour le, pour le Mexique et pour le Japon. C'est vrai qu'il y a une très grande proximité hein, entre ton travail et celui de, de Naomi. On retrouve des thématiques communes. C'est pour ça que je disais que je n'avais pas été très, très surpris en découvrant ton travail parce que ça avait vraiment du, euh, du, euh, du, du sens. Euh, je, voulais, je voulais savoir par rapport à Aïda... Qui, qui, qui a réalisé le, donc en 2018 le, le dernier film en date de cette collection The Nikaidos Fall et qu'on découvrira bientôt euh, l'année prochaine sans doute euh, qu'elle était euh, bah en, en acceptant cette, cette, cette commande ou ce projet euh, son, son rapport au Japon mais aussi son rapport à la, à la nature euh, qui est peut-être sans doute pas le même que, que les autres réalisateurs ou réalisatrices euh, qui, qui, qui arrivent je pense que chaque, chaque pays comme le disait Pedro peut avoir un rapport euh, différent à, à la nature et peut réagir de manière très différente par rapport à un lieu comme Nara. Donc comment est-ce qu'elle a appréhendé cette, cette proposition et j'imagine que son, son projet euh, euh, aura une, une approche ou une personnalité très nouvelle quoi, par, par rapport au précédent film. Yes. Uh, good evening everybody, first. Um I really, I didn't know anything special about Japan um, besides Kurosawa, Mizoguchi, and Ozu. They were the only things that I knew about Japan. And uh, and yes, I knew Naomi Kawase. First, we met in Cannes, but she was so far away from me. I was in the crowd. Uh, we, we, we both have films in Uncertain Regard. So I was in the audience. She, your film was the opening film. And first, I met Naomi there. She passed away with that very kimono and this uh, hairy style she had. And I, I thought, wow, what, wh who is she? Very, I mean, I didn't expect to see a very Japanese lady in that uh, salon. So I was surprised with the crew, I, uh, Iranian crew that we were all sitting. I, I admired her. I admired her because she was very Japanese. I'm proud of being Japanese. And then, uh, yeah. I, I think two years later, uh, I received an email that you, your film is in that film festival. Can you come here? And I said no. I'm in the middle of the shooting of my second feature film. And a few days after, they told me, okay, you won a prize here, and the prize is come here and make a film there, here in Japan. I thought, what is this? You know, <laughs> what are they talking about? It was very surprising because I adored always. Since I was a film student, Japanese film masters, you know, it was, I, I learned a lot from them, especially from Ozu. Then I said to my uh, distributor, Sorry, I can't go there. I will never do that. And she replied, Why? And I told her, Because I, I'm, I'm frightened. I don't want to go there and make a bad film there. And th this is the, the land of ma film masters there. I don't want to go take a risk. So I continue yeah okay. <laughs> and then, yeah, we discussed a lot, and in the end i you know she she encouraged me to go to Japan and make a risk, and I did it, yeah, and I'm very happy that i did i did it bonsoir d'abord um, ne absolutely absolument rien du Japon Ja Kurosawa, Mizoguchi, ozu. Euh, voilà, Je connaissais ces grands maîtres du cinéma japonais qui m'avaient beaucoup influencé au cours de mes études, mais à part ça, je n'avais pas vraiment de vision du Japon. Euh, en fait, j'ai rencontré Naomi à Cannes, on, était, on avait tous les deux un film à un certain regard. Euh, mais euh, je l'ai vu de loin. J'étais dans le public. Son film faisait l'ouverture d'un certain regard, et, et j'ai vu passer cette femme avec un kimono magnifique, une, une coiffure absolument extraordinaire. Et j'étais absolument admiratif de l'avoir aussi japonaise et, et d'avoir cette fierté d'être japonaise. Mais voilà, euh, je lui ai pas spécialement parlé avec. Je me rappelle avec mon équipe iranienne, on était absolument impressionnés. Euh, de l'avoir comme ça. Euh, et puis j'ai appris que mon film allait être été sélectionné au, au festival de Nara. On m'a demandé si je voulais y aller. Je pouvais pas parce que je tournais mon deuxième long métrage. Puis j'ai appris que j'avais reçu un prix. Et que le prix c'était d'aller tourner un film au Japon. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça J'en ai parlé à ma distributrice qui m'a encouragé à y aller. Je lui ai dit, non, je ne peux absolument pas y aller. Je ne peux pas aller faire un film au Japon. Je risque de faire un mauvais film. Je ne veux pas faire un mauvais film dans le pays des grands réalisateurs, de ces grands maîtres du cinéma japonais. Finalement, ma distributrice a réussi à, à, à me convaincre hein, d'aller euh, euh, voilà, faire ce film là-bas. Oui, yeah, sorry. la uh, so corrélation entre. Uh, Iranian nature and Japanese nature is very different, as you know, because Iran is—I mean, the most part of the country is like the Middle East environment. It's most of them are deserts, uh, but in north of Iran, besides the sea, we have very Japanese landscape, jungles and sea. And my first feature was in north of Iran, in that environment that was very similar to, Jap to Japan. So when I first go there. To Japan, I discovered that, okay, so this is the atmosphere that I know. And I think Naomi's job is to, I think, invite young filmmakers, as you told, to introduce that spirit of Nara to these people. So when you first go to Nara and to that region, I think everybody, every artist, can feel that spirit there. I mean, I really believe that the spirit is, exists there. Donc, so c'est it's, it's très facile I mean, de connecter à l'atmosphère. Bien évidemment, la nature japonaise et la nature iranienne, ce n'est pas tout à fait la même chose. La plus grande partie de l'Iran, c'est du désert hein, c'est le, le, le Moyen-Orient. Euh, mais il y a au nord du, de l'Iran, hein, près, près de la Caspienne, il y a euh, des paysages de jungle, des paysages de marins, etc., qui ressemblent un peu au Japon. Et quand je suis arrivé au Japon, en fait, quand je suis arrivé à Nara, je me suis dit, ah oui, tiens, c'est une atmosphère que je connais un peu, puisque mon premier long métrage se passe justement près de la, près de la Caspienne. Euh, donc c'était voilà je, je pouvais retrouver un peu des repères mais je pense aussi que ce que fait Naomi et son travail c'est de montrer de faire découvrir à de jeunes réalisateurs l'esprit de Nara et en étant un Nara je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un esprit que je pouvais ressentir que je pouvais sentir. Alors j'ai une question pour Aïda et puis aussi pour, pour Naomi. Euh, le film de, de Pedro était plutôt un documentaire, si j'ai bien compris votre film est plutôt un film de, de, de fiction. Euh, j'ai bien compris aussi que, que, que Naomi vous introduisait un peu à l'esprit de, de Nara, à l'atmosphère la, 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 de, de, de la ville. Mais comment s'écrivent et se tournent les films Est-ce que vous pouvez aussi avoir à, à votre disposition une équipe japonaise Est-ce que vous pouvez bénéficier de... de Co-scénariste euh, japonais ou euh, co comment est-ce que ce, s'organisent ces, ces films euh, qui sont voilà des films japonais avec un réalisateur étranger ou est-ce que vous pouvez arriver avec votre propre équipe ou euh, on vous demande de décrire de, le film vous-même sans, sans aucune participation euh, euh, japonaise. <laughs> 県の皆さん、そしてその地域の皆さん、そういうところに説明するときに皆さん想像してみてください。誰も理解できないです。海外の監督がやってきて映画を撮るどういうことっていう。でそれもうやってみないとわかんないっていうような状態。まずそこまで。 En fait, déjà, laissez-moi vous dire quelle était la situation lorsque j'ai parlé de ce projet narratif aux habitants de Nara même. Je leur ai dit que mon projet, c'était de faire venir des réalisateurs étrangers pour qu'ils tournent des films de Nara. Les gens n'ont rien compris ils se sont demandé ce que j'étais en train d'essayer de faire. なおみが映画を撮るっていうこともやっと慣れてきたようなそんな状態ですけれども海外の監督がやってきてえ映画を撮るっていうのがどう,どういうふうにすればいいのかっていうところをあのいきなりその本当の映画の フィクションの撮り方を大きなクルーでやったとしてもそれは大きな花火を打ち上げて終わるだけ私はこのプロジェクトをずっと続けていきたいそしてずっと続けていくことでいろんな国の若い監督の目を通して世界に奈良を届けたいそういうふうに思っているまあ一つのプロジェクトなんですね。 Et euh, en fait, les habitants de Nara commençaient tout juste à s'habituer au fait que je tournais des films sur leur région. Donc évidemment, lorsque je leur expliquais qu'il y avait des réalisateurs étrangers qui allaient venir pour tourner des films, ils n'y comprenaient rien. Euh, mais je ne voulais pas en fait que commencer ce projet-là avec un grand film qui serait très important parce que là, ça aurait été comme un très grand feu d'artifice qu'on aurait euh, voilà lancé, mais qu'on aurait montré, mais ça aurait pu se terminer très rapidement. Ce que je voulais, c'est quelque chose de solide, concret et qui allait durer. Et euh, je voulais qu'à travers de très なので、ペドロ君の時はあは、本当に彼がカメラを持って、そしてクルーも5人ほどで撮りました、もちろん予算がまずつかないっていうことと、それからやはりこう、それでも質の高いものを作るためにどうすればいいかっていう、そのやり方を考えたときに、ペドロ君は自分でカメラを回す、つまり撮影監督かいらない。 うん、そしてカメラの横にはマイクが1人いるそして村の人たちに通訳をする人がいるんです海外の監督が何をしたいと思って、まあ、そういう意味では必ず必要不可欠な最低限の人だけを置いて撮影をしましたで見事に彼はこのような素晴らしい作品を作りそしてあるテでも放送されそして ロカルの国際映画祭でもグランブルを撮るというような作品に仕上げていただいたでこの功績を経て、えー、この作品の後、えー、韓国の作品になりますけれども総バジェットが倍に増えてます。そそそしてのの次、えー、キューバ人間とかその えー、バジェットが3倍に増えてますそして間は7倍に増えましたこのようにして徐々にこう成長させていくことで私はプロジェクトを軌道に乗せようとしてるんですねですから簡単に言うとペドロ君の時は5人ぐらいのクルーそれでも a の時は30人ぐらいのクルーそして間 i d の、えー、必ずやってほしいことっていうのの中に撮影監督はイランから連れてきたいでその彼女の目ですからそれは引き受けました。でも 私は日本のクルーとその国の監督たちが、えー、コラボレーションをするということも一つの目的なのでそれ以外のスタッフは全員日本人であるということで続けています。 Donc, pour revenir au film de Pedro, qui était donc le premier film de ce projet narratif, euh, l'équipe était très petite, ils étaient environ cinq, euh, déjà parce que le budget était limité, et euh, également parce qu'on voulait voir jusqu'où on pouvait produire un film de qualité euh, dans ces conditions-là. Donc, déjà, euh, il a été décidé qu'il n'y avait pas de chef opérateur, que, que Pedro allait prendre sa caméra lui-même. Euh, il y avait un preneur de son, il y avait un interprète euh, pour la communication avec les habitants du village. Mais voilà, on s'est vraiment contenté du strict minimum en termes d'équipe. Et... Euh, Pourtant, le film qui en est sorti était magnifique. Il a été diffusé sur Arte. Il a obtenu le Grand Prix au Festival de cinéma de Locarno. Donc vraiment, on était très satisfait de ce qu'on a obtenu dans ce premier film. Ensuite, le deuxième film produit a été fait par un réalisateur coréen. Là, le budget avait été multiplié par deux. Euh, ensuite, le réalisateur cubain, lui, avait eu un budget multiplié par trois, et pour Aïda, eh bien, le budget est multiplié par 7 Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a vraiment essayé de mettre en route petit pression, à petit, voilà, de faire chauffer le moteur petit à petit pour créer quelque chose de vraiment concret. Euh, donc, pour Pedro, l'équipe était composée de cinq personnes. Pour Aïda, son film euh, est fait par une équipe de 30 personnes. Pour ce qui est du chef-opérateur, Aïda a vraiment souhaité euh, emmener son chef-opérateur euh, d'Iran. Euh, évidemment, comme c'est son regard qui compte, nous avons accepté. Mais moi, mon souhait, c'est vraiment euh, de, faire, euh, de réaliser un film avec un réalisateur étranger et une équipe japonaise. Euh, donc, en général, c'est comme ça que ça se passe. En général, donc, l'équipe est toujours japonaise. Aïda, votre ressenti euh, sur, le, sur le tournage, sur, les, sur le, comment, comment s'est passé le, le, le tournage. Qu'est-ce qu que vous retenez de cette expérience? It was a very good, strange experience. Because, first of all, because Japanese culture, I mean, Japanese people, they are very, very hardworking people, very good at collaboration, and they want to work as sunrise. You know, they are, you know, so every morning when I got to the scene. I was surrounded by 30, 45 of samurais. They were really wanted to do something. You know, they were your soldiers. And you have to, I mean, you have to be very careful with Japanese. Uh, they are very kind, very simple, very hardworking. And you know, some of them are my best friends now, very, very best friends now. Uh, the only challenge was working with actors so the main actors of my film they were speaking english so i, I didn't have any problem to be in contact with them but uh, the point was that uh, the, the way that japanese actors work so they really want to act they want to show themselves so i knew that a bit because of I watch many you know yeah from when I was teenager I watched many Japanese films but I I was knew, I mean I knew that uh, coming to Japan my first challenge is how to work with Japanese actors because they act like they are in the scene of theater you know they shout and they express themselves too much so my challenge was that to ask them please don't act <laughs> please you know here <laughs> <laughs> you know here here is not a theater you know please don't act you're ordinary people and here it's your life so every night we had these meetings every night we have we have had these meetings and one night i asked Naomi. i think it was the first days of shooting i asked her no what, what should i do you know i have to repeat and repeat them that please you're not actors and she, she told me these are your soldiers and your commander you have to do that you know you say and they were they have to i mean comply fully and don't afraid to just go inside i mean, I mean and then yeah i mean she gave me this allowance to, to do everything you want and Japanese actors, I think they were great, especially the main actor, the man. He, he did a great job. he did a great job and you know gradually day after day, I, I could I, I think they listened to me. I think they trusted first of all it was very it was very difficult for them to trust because I was a foreigner. I was a female film director I was from Iran and uh, so I, I c'était we, we, we you know, yeah, yeah. C'était quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très étrange aussi. Il euh, y a quelque chose avec la culture japonaise, bien évidemment. Les gens travaillent dur. Euh, les gens sont, sont tout à fait prêts à collaborer, ont très envie de collaborer. Euh, ils veulent travailler dès l'aube. Quand j'arrivais sur le, sur le plateau le, tôt le matin, y avait, tout le monde était déjà là, tout le monde m'attendait. Euh, et vraiment, ils étaient comme des petits soldats, si vous voulez. Euh, euh, le défi, par contre, euh, c'était les acteurs, c'était le jeu des acteurs. Il y a une tradition de jeu japonais qui est très théâtrale. On, on veut montrer qu'on joue la comédie. Euh, et moi, je sais exactement ce que je ne voulais pas. Euh, et donc, j'ai voilà, essayé de leur dire, non, jouez moins la comédie, soyez moins théâtraux, etc. Mais c'était compliqué. On avait des réunions, notamment tous les soirs, on avait des réunions où j'essayais de leur expliquer ça. Et il y a un moment où il y a une réunion où Naomi est venue et je lui ai demandé mais qu'est-ce que je peux faire Parce qu'ils sont vraiment comme sur scène, comme au théâtre, ils crient, etc. Comment est-ce que je peux m'arranger pour, pour changer ça Et Naomi m'a dit mais c'est toi la chef, c'est toi qui commandes. Euh, et c'est à toi de leur donner des ordres et ils t'obéiront. Alors c'était dur au départ pour les acteurs de me faire confiance, je pense. Je suis étrangère, je suis une femme, je, suis, je viens d'Iran. Euh, mais on a réussi justement à, à, à construire quelque chose comme ça, et je pense que les acteurs ont vraiment été merveilleux notamment l'homme, hein, le, 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 le rôle principal du film. Ils ont vraiment fait un très très beau bon boulot. Et petit à petit, finalement, ils ont réussi à. On a réussi à créer ces liens et à créer les amitiés. Il y a un certain nombre de via cette expérience-là. Il y a des, il y a des, des gens qui étaient sur le tournage qui sont devenus de très très bons amis à moi. Très bien, mais je crois que ça va être le mot de la fin. Il est temps de se, de se quitter. Je voudrais remercier Naomi Kawase, Pedro et Aïda qui nous ont rejoints. Euh, merci beaucoup à Naomi et j'espère que merci. cette rencontre vous aura donné envie de, de voir ou revoir ces films ou de découvrir ces, ces documentaires et que, puisque Beaubourg nous en offre l'opportunité. Merci. Merci. merci.